Alléluia, Alléluia.
messieurs, bonsoir. Bah, pas bonsoir, putain, bon après-midi, ce sera déjà mieux. Et alors, je me connecte à Discord juste après pour que vous me rejoigniez. Je me connecte juste après. Bon, je lance le jeu. Bien blanc là, on voit bien. Alors, maintenant que j'ai lancé ça, alors ça j'enlève. Ce Discord doit être absolument là pour qu'on vous entende sur le live. Vous me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Hein. Zebby sera mieux, voilà. J'attends que ça charge, Zebby. Hop. Ah bah voilà. C'est déjà mieux, faut se dire ça comme ça. Bon, attendez. Je suis de retour. C'est parce que ça faisait quelque chose. Attendez, je remets la cam, hein, parce que si on remet pas la cam, ça va pas le faire. Voilà. Ouvrir Discord dans ton navigateur. Oui, j'aimerais bien.
Ça, je vais baisser un peu. De toute façon, c'est juste pour le chat. Papa la pa, tantan, tu 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 tu. Ça met un peu de temps, hein, désolé. Et rebonjour. Moi, je suis de retour tout le temps. Alors, je vais dans le serveur. Faut pas que je vais dans high cover. Dans live. Me voilà dans le serveur live. Et hop là. Me voilà, je suis dans le vocal. Pourquoi j'ai le micro coupé? Je sais pas. Attendez. C'est bon, Yezebi? C'est bon, je suis dans mon putain de serveur. Je revérifie au cas où. Oui, c'est bon. Ouais, faut que je fasse ça. Ah merde. Tac. Ouais. Fenêtre. Doki Doki Literature Club. Ah voilà. Et là on retourne au jeu. Comment on va? Ça va. Attends, je vais juste faire un truc là. Je vais mute le live du coup. Sinon je vais avoir l'audio en double. Je vais dire créer une invitation. Hop. Attends, je crois qu'on m'entend plus fort qu'on t'entend. Moi, oh, c'est un détail. Si je gueule, faut gueuler. C'est pas si grave. Merde. T'as fait quelle route là pour l'instant? Quelle route? Bah sur le jeu t'as fait quelle route? Ah Enfin quelle fin quoi? Ah mais je l'ai pas encore fini le jeu. Je suis loin hein. Mais là après t'avais fini DDL c'est normal? Ouais je l'ai fini normal ouais. Et t'avais fait quelle fin sur DDLC? Monica elle bute tout le monde hein, on peut dire ça comme ça hein. Oui non enfin ce que je veux dire par là c'est t'as fait dans le journal avec qui quel romance t'as fait dans pour quel perso la dernière fois que j'étais en live je crois elle a fait plus vers Sayori avec un autre ami. Sayori, donc la meilleure amie, c'est Sayori, c'est ça? Ouais, ouais. Mais en fait. Oui, c'est celle aux cheveux violets. Maka. Et Natsuki. Mais. Donc Sayori, c'est. Mais du coup, en fait, quand on a créé le poème, on prenait les pires trucs. Genre, je sais plus quoi, je crois qu'il y avait des trucs horribles, des trucs comme ça, et c'était que Sayori. Parce qu'elle a un passé dark, Sayori. Ouais, on l'a trop laissé seule. Ah, t'as vu la fin du coup, t'as vu la scène. Ouais, je l'ai déjà vu, ouais. Dans sa chambre. Mmh.
Hop. Et voilà, on peut continuer le jeu. C'est parti. Oh. Je viens juste qu'il y a ah, bonjour. Bonjour. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Ah. Non, non, on parlait des différentes routes de DDLC. Ah. Alors, il y a des personnes qui sont dans ce live. Bah, je vous dis d'aller vous abonner à ma chaîne, je fais de l'animation très cool, enfin voilà, bye. Ah, d'accord. Il est juste venu pour de la pub. Ça de venir placer sa pub et repartir. Il est juste venu, il a placé sa pub, il s'est barré le bâtard. Moi tu es carrément pour faire une pub, tu m'as fait un mode FNF. Ouais. Ah, je me souviens, j'étais hyper surpris quand genre Timmy m'a envoyé le lien. Oh regarde, on... non, c'est moi qui, je sais plus qui nous deux l'a découvert, mais en tout cas, ouais, je crois que c'est moi qui l'ai découvert. Et du coup, je lui ai envoyé. Et était. D'ailleurs, j'ai jamais réussi le mode. Hein. Qu'on se le dise, j'ai jamais réussi. Ça a un coup à prendre. Moi, ça fait quoi? Deux ans que j'y joue. J'arrive pas le tuto du jeu. Alors. Ça fait 2 ans que j'y joue. Bon, bref. Ah ouais, quand même. Ouais, je viens de voir ta bannière. Ouais, ça c'est la bonne bannière. Bon, pour l'instant, on est que deux. Attends, hein. On verra s'il y a d'autres. Je suis quand même allé sur la chaîne de Elvis, du coup. Et ouais, sa bannière, c'est encore pire. Il y a ses yeux, là, qui te fixent en mode... Abonne-toi. Allez, je te regarde. Viens t'abonner à ma chaîne, viens. Tu n'auras... Je te ferai pas de mal. Ouais, voilà, je te ferai pas de mal. Bon, on va continuer le jeu, parce que sinon, on va rester 3 ans comme ça. Et en espérant qu'il y a d'autres gens qui vont nous rejoindre. En espérant. Parce que la dernière fois, je l'avais fait avec... Quelqu'un de nous va choisir un poème à réciter. Oh. C'est la dernière fois, je l'avais fait juste avec Owen. On s'était tapé une barre. Mais là, je sais pas si Owen va revenir. Peut-être Maker Game. Super Game. Ou Ada Music. On va voir. Mm. Bah déjà, Elvis, il est juste venu pour faire sa pub, ce bâtard. J'aurais pensé qu'il serait resté, mais non. Moi, je sais pas. Alors, venez sur ma chaîne. Ouais. Bonjour, j'ai raté quelque chose. Bah non, t'as rien raté. Eh, venez sur ma chaîne, au revoir. Enfin, et le pire, c'est qu'il a dit venez sur ma chaîne, mais il a pas donné le nom de sa chaîne. Ah ouais, il dit ouais, c'est vas-y. Venez sur ma chaîne YouTube, bye. Bye, voilà. Alors qu'on n'a pas le nom de ta chaîne. C'est con. Ah ouais, c'est un peu con. C'est très con. Bon, bref, on continue le jeu. La dernière fois que j'avais continué, j'avais fait 2 heures de live. Tandis qu'il y a 8 heures de jeu. Bon, on va essayer de refaire soit 2 heures, soit 1h30. Hein. Ça fait moi, déjà 20 minutes jeu, que je live, de... mais... Yuri. Hein? La seule fin que j'ai fait, moi, c'est la fin de Yuri. Quand elle se plante le couteau? Non, c'est... Enfin, c'est la fin où on la voit, où on fait le poster avec elle, etc. Ah oui, bah moi j'ai fait les deux. J'ai fait celle-là. Fin Yuri et fin... C'est... Enfin, Natsuki, je l'ai fait aussi. Bah en vrai, j'ai fait toutes les fins, on va dire. Mais sur DDS, c'est normal. Mm. Mais bon, bref. Donc, tu vas faire 100% de DDLC plus. Peut-être. Tandis qu'il y a 2 heures facile. De plus. Non. Il y a combien? Moi, j'hésite à me, ouais. À me le choper sur PlayStation pour faire le platine. Tu veux le poncer? Ah, j'adore platine les jeux. Hein. Bon. Non, je vais pas m'y mettre, on dirait que j'ai la flemme. Mais non, j'ai pas la flemme. On est là pour continuer le jeu, parce que je l'ai quand même payé, même s'il était en réduc. Mais bon. Ah oui, il était en réduc. Ouais, il y a un moment, il était en réduc, ouais. Il était à 8 balles. Il était à 8 euros, il y a 12. Oh, ouais. Ah, c'est ce que j'ai dit. Ah, tu l'as chopé pendant les soldes Steam. Ya. Yeah. Bye. C'est déjà ça.
c'est rare. Bon putain, je vais pas m'y mettre, ça me casse les... Je vais pas m'y mettre, ça va me saouler. Bon bref. Alors... Et ce n'est pas tout, on va aussi permettre aux gens de se joindre à nous pour réciter des poèmes. Sayuri l'a indiqué sur les affiches. Au cas où certains voudraient se présenter un peu à l'avance. Hé. C'est moi, oui. Oh oui, là t'es en train d'organiser le... Ouais, le festival. Le festival. Même juste avant le festival, Sayuri, c'est ciao. Natsuki qui a proposé de faire des cupcakes. Ouais. Sayuri, qui était en train de colorier une affiche, nous montre son travail. Non, mais t'es sérieux, là? T'as quand même pas commencé à coller ces affiches partout, j'espère. Hein? Si. Tu crois vraiment que c'est une mauvaise idée? Non. Ce n'est pas une mauvaise idée. Mais j'ai pas donné mon accord, moi. Pas moyen de réciter des poèmes devant une foule de gens comme ça. Je suis d'accord avec Natsuki. Sale pute. Non, je déconne. Eh? Heureusement que t'étais pas là au... Ouais, t'étais pas là, avec Owen. Hein. J'ai dit des dingueries. Oh. Ah ouais, mais non, mais à un moment ça. Jusqu'à hier. Hein. Ah, maintenant elle est sur YouTube. Tu peux. Bon, elle dure 2 heures, mais j'ai un moment quand Sayuri, on lui dit ouais, tu trouveras pas petit copain. Je crois que j'avais dit ouais, dans son cercueil, là, elle en trouvera toujours pas un, hein, un truc comme ça, tu vois. C'est que des dingueries. Oula, ouais, c'est... Faut qu'Owen y revient. Mais bon, bah, s'il est occupé, bah il est occupé, même s'il est connecté. Doki Dark Club plus hier passé à... À 12h49. Ouais. Je suis triste. Mais je crois que pour 20 balles sur Amazon, t'as une édition collector. Ouais, peut-être. Bon, mais c'est pas Switch. C'est pas la Switch. Non, la c'est édition... Switch et PS5. Switch et PS4. Ah non, il y a une version PS5. Il y a une version PS5 de Doki Doki. Très bien. Bah, alors, comme s'ils allaient pas le sortir sur PS5. Jamais je ne pourrais faire quelque chose de ce genre. 26€, vas-y, je vais la prendre. Rien qu'à l'idée, Yori secoue la tête terrifiée. Écoutez, laisse ça, Yori. Je comprends leur réaction. N'oublie pas qu'il y a quelques jours, à peine Natsuki et Yori n'avaient encore jamais partagé leur poème avec qui que ce soit. Ok. Leur demander de le rester à haute voix devant une salle pleine de monde, c'est beaucoup exigé d'elle. Ouais, bon, bref. J'avoue que je n'avais pas pensé à ça. Je suis désolé. Mais je croyais qu'on devrait quand même essayer. C'est nous seuls qui sommes responsables du destin de ce club. Si on réussit tout à donner un bon spectacle, on pourra inspirer d'autres à faire comme nous. Il y aura un monde à montrer sur scène. Et en plus, on pourra montrer aux gens ce que c'est la littérature. Bonne idée. On leur montrera qu'elle permet d'exprimer ses sentiments, de mieux se connaître soi-même, de s'ouvrir de nouveaux horizons et surtout de s'amuser. Exactement. Et c'est pour toutes ces raisons qu'on fait partie de ce club. Vous n'allez pas partager ça avec d'autres gens? Les inspirer pour qu'ils ressentent ce que vous a donné envie de venir ici? Je suis sûr que oui. On en a tous envie. Il suffit pour ça de se tenir 2 minutes sur une estrade pour réciter un poème. Oh putain. Alors je sais qu'on est tous capables. Natsuki et Yori ne répondent pas. Sayuri a l'air inquiète. De mon côté, plus trop le choix. D'accord, ça devrait être faisable. Monika et Sayuri sont vraiment démenés pour trouver de nouveaux membres. Alors le moins qu'on puisse faire, c'est les aider un peu. D'accord, admettons, mais... Natsuki semble à court d'arguments. Je bon d'accord.
Je vais essayer de prendre sur moi. Génial, je suis soulagé. Merci Natsuki. Et toi Yuri? Narabachi, le regard de Yuri passe d'un visage à l'autre. Ah, je crois que je n'ai pas le choix. Hihi, alors on est tous d'accord. Tu es la meilleure Yuri. Je crois que ce club finira par avoir ma peau. Allez, courage. Tout se passera bien, Yuri. Et donc, passons à notre activité principale. Je veux que vous choisissiez des poèmes que vous avez écrits. On va s'entraîner à les réciter devant les autres. Pas moyen. Monica, tout de suite, là? Si vous n'arrivez pas à lire vos poèmes devant les membres du club, comment est-ce que vous comptez le faire en public? Ah, c'est pas vrai. Allez, ne t'en fais pas. Je vais commencer histoire de mettre tout le monde à l'aise. Je peux être la deuxième? Haha, bien sûr. Allez, voyons. Monica tourne les pages de son cahier pour trouver le poème qu'elle a en tête. Puis elle monte sur l'estrade. Ce poème s'intitule « Comme il vole ». Monica commence à réciter son poème. Sa voix claire et assurée emplit la pièce. Son intonation est impeccable. Elle donne vie au texte, sachant exactement comment l'exprimer, l'émotion sous-jacente. Ça existe ça, sous-jacente? À chaque des lignes qu'elle récite. Je me demande si elle a déjà fait ça ou si elle... Quoi? Ça, si elle a un don inné. Jette un œil autour de moi. Tout le monde les yeux rivés sur Monica, sa Yuri a l'air ébahi. Le visage de Yuri a une expression intense que j'ai mal à déchiffrer. Enfin, Monica achève sa récitation. On applaudit tous les quatre. Monica prend une profonde inspiration et sourit. C'était vraiment super, Monica. Logique. La com de ta mère. Je suis désolé, je dois finir de ranger ma chambre. Du coup, je vais y aller pour live. Vas-y. Je reviendrai peut-être plus tard si t'es encore en live. Wow, t'inquiète. Je reste sur le chat, hein, si jamais, genre. Ouais, ouais. Allez. Ciao. Peut-être à tout ou à plus. Ouais, ouais, ciao. À plus. Attendez, hein. Bon, bref. Bref, bref, bref. Bon, on va continuer, hein, même si je suis tout seul. Je regarde un truc, hein. Bon, bref, hein. Alors, c'est parti, on continue. Haha, merci beaucoup. J'ai juste voulu donner l'exemple.
À toi, Sayori, tu es prête? Je vais le faire. Oh, Yuri a l'air super motivé d'un coup. Se saisissant une feuille de papier, Yuri fait... Oh, mais... Putain! La tête basse, elle se dirige d'un... Attendez. Là. Se saisissant d'une feuille de papier, Yuri se lève. Ok. La tête basse, elle se dirige d'un pas rapide vers l'estrade. Ce poème s'intitule « Yuri nous lance à chacun du regard à un mieux ». Tu vas y arriver, Yuri. Il s'intitule « Rémenance d'un œil pourpre ». La voix tremblante, Yuri commence à lire son poème. Quand je pense qu'il y a 5 minutes à peine, elle refusait de le faire. Qu'est-ce qui a pu la changer d'avis aussi soudainement ? J'en ai marre de bâiller. Après le premier vers, sa voix se met à changer. Son visage a la même expression que quand elle est absorbée dans ses livres. Ses mots hésitants se transforment en cymbales assurées, lui donnant l'allure d'une femme déterminée et sûre d'elle. Dans sa structure, le poème regorge de circonvolutions. Okay. Qu'elle énonce avec un rythme d'une précision incapable. Oh, wow. En cet instant rare, on distingue toute la puissance de feu ravageur qui couvre en elle. Puis, aussi soudainement qu'elle a commencé, elle se tait. Tout le monde est sous le choc. Yuri revient à la réalité, le premier regard autour d'elle, comme si elle s'était aussi ensorcelée elle-même. Il faut que je fasse quelque chose pour la tirer de là. Je me mets à applaudir le premier. Les autres se joignent à moi pour offrir à Yuri une invention en plante méritée. Ce n'est pas qu'on ne voulait pas l'applaudir, mais elle nous a tellement surpris qu'on a juste oublié de le faire. Sous nos applaudissements, Yuri serre son poignet contre elle et retourne à sa place d'un pas précipitant. Merde alors! Yuri, c'était vraiment bien. Merci d'avoir partagé ce texte avec nous. Yuri a l'air d'avoir un mal à s'en remettre. Ok, cette fois, c'est à mon tour. Yuri saute de la chaise et se dirige vers l'estrade d'un air enjoué. Ce poème s'intitule Ma prairie à moi. Ah, haha, pardon. Hehe, Sayori. Eh bien, c'est bien plus dur de ce que je n'imaginais. Putain, mais moi je sais plus lire. Putain. Comment vous avez fait pour y arriver aussi facilement? Ah, essaye de te dire qu'il n'y a personne autour de toi, que tu es toute seule. Imagine que tu le récites à toi-même, un peu comme devant un miroir ou dans ta tête. C'est ton texte et il coulera beaucoup mieux que ça. On est marre de bailler. Oui, d'accord. Bon, Sayori commence à réciter son poème. Sa voix douce semble faite pour réciter ce texte. Contrairement à elle, le poème ne déborde pas d'une gaieté exubérante. Il y a des mots, on va les comprendre. Elle est serein, mêlant douceur et amertume. Si je le savais simplement lu. Non, si je l'avais simplement lu, je n'en aurais. J'en ai marre de savoir pas lire. On dirait j'ai 5 ans, voilà. Oh putain, pourquoi j'ai dit des trucs comme ça? Je suis putain de français. Moi, putain, on dirait je perds la boule. Alors je suis juste en train de bailler mes morts et en train de couler des larmes. Quand on bat et on coule des larmes, Yesbi, ça casse les couilles. Putain, je dis des gros mots, et tant pis, hein, ça me saoule. Bref, si je l'avais lu simplement, je n'en aurais sans doute pas pensé grand-chose. Mais entendre la voix de Sayori le réciter lui donne une signification totalement différente. Voilà, je viens de dire, et là, je rebaille. Ça me saoule. C'est peut-être pour ça que Sayori me disait qu'elle aimait mes poèmes. J'ai l'impression de découvrir des facettes insoupçonnées d'une personne que je croyais connaître par cœur.
Quand Sayori s'arrête, tout le monde l'applaudit. J'ai réussi, j'ai réussi. C'est du beau travail, Sayori. Et même Rafa a bien aimé. C'est bon signe, non? Ça veut dire quoi, ça? C'est parfait, Sayori. L'atmosphère de ce poème te convient à merveille. Cela dit, cette façon de lire ne conviendrait pas forcément à d'autres textes. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, j'ai vu des poèmes de ton cru qui ne seraient pas aussi bien adaptés à ce genre de récitation. J'en ai marre de bailler. Ah, putain. Pourquoi j'ai dormi, hein? Mais on dirait que lire, ça me fait bailler. Il leur faudra un peu plus de force pour les défendre. Selon ce que tu lis, bien sûr. Ah oui, je comprends. En fait, je me suis entraîné à ce genre d'exercice. C'est juste un peu stressant de le faire devant tout le monde. Hé. Alors la prochaine fois, je te ferai choisir un poème qui te demandera un peu plus d'effort. Ce qui ne nous reste plus beaucoup de temps avant le festival. D'accord. Bon, à qui le tour? Natsuki. J'ai pas envie de passer avant Raph. De toute façon, je vous arrive pas à la cheville. Alors autant laisser Raph baisser un peu le niveau avant que je m'y colle. Natsuki. T'inquiète, ça va. Autant me débarrasser maintenant. Bon, évidemment, j'ai pas autant de choix que vous. Je vais juste vous lire ce que j'ai écrit pour aujourd'hui. Je me lève et je me dirige vers l'estrade. Tout le monde a les yeux fixés sur moi et je me sens terriblement mal à l'aise. Surtout ce haut, content et choqué. Let's go. Je récite mon poème. Comme je suis pas très sûr de la qualité de mon texte, j'ai du mal à y insuffler de l'énergie. Malgré tout, je me fais quand même applaudir quand je m'arrête. Désolé, je suis pas vraiment au niveau. Ne t'en fais pas. Pour moi, c'est davantage un manque de confiance dans ton écriture qu'un manque de talent. Ça ira mieux dans quelques temps, tu verras. Peut-être. C'est déjà ça. Bon. Il ne reste plus que toi, Natsuki. Oui. C'est bon, j'y vais. À contre-cœur, Natsuki se lève et se dirige vers l'estrade. Ce poème s'intitule... Il s'intitule... Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Parce que c'est à ton tour. Bref, ce poème s'intitule « Saute ». Natsuki prend une profonde inspiration. Dès qu'elle commence à réciter son poème, son côté grincheux s'estompe un peu. Mais même si elle n'a pas l'air d'être enthousiaste, son poème a un bon rythme et des rimes travaillées. Oh, il y a quelqu'un qui a rejoint. What? Quoi? C'est quoi? Il y a un gars, il a rejoint, il a fait waouh, il s'est barré. Je sais pas qui a fait ça, hein, mais c'est du génie. Je me frotte l'œil en plus. En même temps, je regarde mon écran de tel pour me demander c'est qui. Qui est venu, il a fait ouais et il s'est barré. Qui a fait ça? Qui? Parmi les connectés, Fixu, un peu. Bah, celui-là qui était au début du live, impossible. Il est en train de ranger sa chambre. Maker Game, c'est possible. Ah, c'est soit Super Game, ce qui m'étonnerait, soit Owen, Super Game. De toute façon, là. Même s'ils sont pas dans le live, je mettrai leur chaîne en description pour leur faire plaisir. Aïe, Zebi. Et je vous jure, j'ai putain de mal à mon œil gauche, je sais pas pourquoi. Du coup, je me le frotte comme un malade. Désolé si je lis pas. Hein. J'essaie de déterminer un mystère, mais un mystère qui va durer 2 secondes. Attendez. On va régler ça. En écrivant un chat. J'ai mal à mon œil, je vous jure.
Là, je vous jure, j'ai un putain de truc dans l'œil. Wesh. Première fois que ça m'arrive en live. Ah putain, j'ai le nez qui coule alors que... J'ai envoyé un message, on va voir si... Je vous jure, j'ai un truc dans l'œil, c'est pas possible. C'est dégueulasse ce que je suis en train de faire. Mais putain, j'ai vraiment un putain de truc dans l'œil. Il me fait mal en plus. J'ai un putain d'handicapé. Bon, on va faire ça comme ça. Hein. Voilà. Let's go. Je vous jure, j'ai un putain de truc dans l'œil. J'ai l'impression d'être un con. Bon. Même si elle n'avait pas l'air très enthousiasmée, son propre a un bon rythme du travail. Putain, j'ai l'air d'un con. Non. Oui. Oui. J'ai retrouvé mon œil. Pour moi, j'ai retrouvé mon œil. Owen ne sera pas dispo. Tant pis, hein. On peut pas tout avoir dans la vie. Et j'ai toujours pas ma réponse du gars qui a gueulé. Mais bon, c'est pas grave. Je vous jure, le truc dans l'œil m'a enculé. J'ai un problème à l'œil. Pourquoi? Pourquoi ça arrive maintenant? Pourquoi j'ai un truc dans le putain d'œil? Il me fait mal. Sinon, il me fait mal. Plus que j'y touche. C'est tout à fait le genre de Natsuki. Et ça marche étonnamment bien quand elle le lit à voix haute. Donnant vie au texte, les mots semblent bondir dans tous les sens. Que Natsuki se fait, tout le monde l'applaudit. Elle retourne s'asseoir d'un air bougon. Tu vois, c'est pas si terrible. Facile à dire pour toi. Je te préviens, t'as pas intérêt à me refaire ce coup-là. Justement. Est-ce que tu sens prête à réciter un poème en public? En fait, je pense que ça me serait plus facile devant d'autres personnes. Avec des gens que je connais pas, je peux me présenter comme je veux. Devant mes copains, par contre, c'est super gênant. C'est marrant ce que tu dis. Pour moi, je crois que c'est exactement... Oui ! Je reviens.
I'm back. Je suis de retour. Et j'ai toujours plus d'œil. Putain. Je vous jure, ça me casse les... Je suis parti en fait parce que un de mes deux chats avait vomi. Let's go, hein. Ce truc dans l'œil me saoule. Ça me fait mal, sa mère. Ça me fait mal, sa mère. Allez comprendre, ça me fait... Pourquoi moi, je crois que c'est exactement l'inverse. Ah bah pour moi, c'est comme ça. Bon, du coup, tu n'as pas trop à t'en faire pour le festival. Bien, j'aimerais tous vous remercier pour vos efforts. Je sais bien que c'est difficile pour certains, mais j'espère que ça vous aura donné une idée de ce qui nous attend. Pensez à choisir un poème et à bien vous entraîner avant le festival, d'accord ? De mon côté, je vais préparer des prospectus. Alors prévenez-moi à l'avance de ce que vous comptez réciter. Je te jure, je crois que je ferais mieux de trouver un autre poème à réciter. Comme tu veux. Il n'y aura pas besoin d'être de toi d'ailleurs. Je suis déjà agréablement surpris des efforts que tu fais pour le club. Ça me fait vraiment plaisir. Ouais, pas de soucis. Votre attention tout le monde. Non, en fait c'est bon. Je peux même faire ça. Bon, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je sais que le festival approche, mais on va quand même essayer d'écrire des poèmes pour demain, d'accord ? Encore ! Jusqu'ici, ça se passe très bien, et j'aimerais qu'on continue comme ça. Concernant le festival, on finira de tout planifier demain, ce qui nous laissera le week-end pour nous préparer. Lundi, c'est le grand jour. Ah, j'ai trop hâte. Je peux y arriver. Bon, je me lève. J'aurai jamais le même enthousiasme que Sayori et Monika, mais je ferai mon possible. Si ça peut servir au club. Et impressionner Monika. Alors je fais. Mais... J'ai rien fait, mon mec. Ah non, je suis toujours en live. Pourquoi il me dit que je suis plus en live, ce profil de pute. Ah bah voilà. Pourquoi tu me dis ça? Oh, une nouvelle fois je rentre avec Sayori. Bien que ça ne fasse quelques jours, beaucoup de choses ont changé. Mais aujourd'hui Sayori est un peu plus calme que d'habitude. Dis Sayori. Oh pardon, j'étais perdu dans mes pensées. Quelle surprise. Je pensais à un truc qui se passait tout à l'heure. J'aime bien quand on... Enfin je... Sayori semble avoir du mal à trouver des mots. Imagination qu'un jour Yuri te demande de te raccompagner chez elle, hein? Tu ferais quoi? C'est quoi cette question? Tu me mets un peu dans l'embarras là. Héhé, enfin. Alors, j'allais dire que j'ai déjà fait les deux. Ça change pas grand chose. Juste le dialogue, ça change. Je vous jure, j'ai un putain de truc dans l'œil, il commence à me casser les bonbons. Je raccompagnerai Yuri chez elle. Je rentrerai chez moi avec Sayori comme d'habitude.
Je vous jure, ça me saoule. Ah, sa mère. Oh, si mon Dieu, je suis en train de me déglinguer l'œil. Attendez, parce que là je peux pas répondre, ça commence à me saouler. Ça y est, c'est la fin du calvaire, je crois pas. Ah non, c'est pas fini. Je vais arrêter, je vais mettre comme ça parce qu'on sait jamais. Après ça, maintenant je dois me mettre dans l'embarras là. Et tandis que ça change pas grand chose. Allez, on rentre avec Sayori. Tu crois vraiment que je. Son plan pour Yuri, hein? Mais elle est bien et intelligente, je te jure. Tu sais, je la vois déjà tous les jours au club. En plus. T'as l'air de bien aimer quand on rentre ensemble. Ça m'ennuierait que de te gâcher ce plaisir. Hihi, t'es bête. Tu penses trop à moi des fois. Mais non, t'inquiète. Yuri mérite de passer du temps avec toi si elle le voulait. Bah là qu'elle passe avec moi au club. Écoute Sayori, tu me feras pas changer d'avis. Des fois, j'ai vraiment du mal à te cerner. Désolé. Et puis, quel intérêt de faire des suppositions sur un truc qui n'arrive jamais. D'accord, déjà mon oeil ça va dire mieux. Un peu, ouais, non, le truc il est encore là, il me casse les. C'est bizarre de voir Sayori se préoccuper à ce point d'un truc pareil. Mais je veux qu'elle soit heureuse et surtout j'ai pas envie de lui manquer de respect. D'un autre côté, le festival est seulement dans quelques jours. Qui sait ce qui peut se passer d'ici là? Allez, on écrit un poème, c'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on écrit encore comme merde? J'ai toujours plus d'œil, ça me casse les bonbons. Et en plus j'ai le nez qui coule en été. Même si l'été, dans le nord là il pleut. Bon, alors. Espoir. Je fais n'importe quoi. Si je parle pas, c'est parce que. Voilà, ça a été vite, hein. Et on est de retour au club. C'est pas vrai, je suis encore la dernière. Et ouais, t'inquiète, je viens d'arriver moi aussi. Je faisais encore du piano, enfin. Haha, tu es vraiment motivé, dis donc. Tu crées un club, tu apprends le piano. Motivé, je sais pas trop. Passionné, oui, sans doute.
Je te rappelle que sans vous, ce club n'existe pas. D'ailleurs, je suis trop contente que vous soyez tous d'accord pour participer au festival. J'ai trop hâte d'y être. Ça va être super. Pardon, je me souviens qu'hier encore, tu ne parlais pas au sujet du festival. Ouais, j'ai parlé pas de notre spectacle. C'est juste qu'on va passer la journée à s'amuser et manger plein de trucs délicieux. Tu me fais penser à Sayuri pour le coup. Monica, tu crois qu'il y aura du calamar frit? Du calamar? C'est ce qui t'intéresse le plus au festival. Oh, allez, t'aimes pas le calamar, toi. Je n'ai pas dit que je n'aimerais pas ça. Et pourquoi tu insistes sur le toi? Mais parce que c'est dans ton nom. Monica. Hein? Ce n'est pas comme ça qu'on prononce mon nom. En plus, ce jeu de mots n'a aucun sens dans une autre langue. Bref. Je propose qu'on se concentre un peu sur notre spectacle d'abord. Héhé. Oui, bon, d'accord. De toute façon, les réactions de Yuri et de Sayuri sont plus marrantes. Excuse-moi. Où est Sayuri, d'ailleurs? Ah, te voilà. Sayuri est assise à un pupitre dans le coin de la pièce, le regard vide. Ouh là là, ça commence à sentir pas bon. Je vais la voir. Salut, Sayuri. J'agite la main devant son visage. Comme ça. Ça va? T'arrives comme ça. Salut. Tu vas bien? Moi, je vais bien. Toi, t'as l'air pas bien. J'ai plus d'œil. Mon œil gauche est en train de me lâcher, on dirait. Ah, purée de pommes de terre. Oh, sa mère. Ah, poussière. Ça me saoule. Hein? T'étais encore dans la lune? Hihi, désolé. Ne fais pas attention à moi. Tu peux aller parler avec les autres si tu veux. Tu es sûr que ça va? Bien sûr. Pourquoi ça n'irait pas? On dirait que tu es un peu ailleurs. C'est juste de savoir ce que t'as. Désolé. Merde, j'ai pas lu. Ah, tss. Tu t'en fais trop pour moi. Ça, c'est de la musique. Attends, écoute ça. Après, c'est de la zig, ça. Non, je déconne. Du jeu, quoi. Je vais bien, je t'assure. Sayuri me tend un grand sourire. Je n'ai pas envie de t'empêcher de t'amuser avec les autres. Bon, ok, si tu le dis. Je lui lance un regard inquiet avant de me retourner voir les autres. La conversation s'est étoilée dans le monde et j'ai repris les activités habituelles. Je devrais demander à Monica si elle n'a pas remarqué quelque chose de bizarre chez Sayuri récemment. Vu qu'elle prépare le festival, elle doit passer pas mal de temps ensemble. Je m'approche timidement de Monica qui feuillette des papiers à son pupitre. Raph, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, elle a peut-être te paraître un peu bizarre, mais t'aurais pas remarqué quelque chose de bizarre chez Sayuri dernièrement? Chez Sayuri? Comment ça? Je me fais peut-être des idées, mais je la trouve un peu déprimée aujourd'hui. Ah bon, tu crois? Non, je n'ai rien remarqué. Monica lance un regard vers Sayuri qui joue machinement avec une gomme sur son pupitre d'un air absent. Qu'il y a peut-être quelque chose qui la tracasse. D'ailleurs, je m'étonne que ce soit toi qui me le demande et pas le contraire. Tu la connais beaucoup mieux que moi. Ouais, mais elle est jamais comme ça. Elle me parle toujours des trucs qui l'embêtent. Là, quand je lui ai demandé, elle m'a un peu envoyé balader. Désolé, je sais que c'est pas ton problème. Une heure de lag, let's go. Désolé, je sais que c'est pas ton problème. Je viens de le lire à l'instant, qu'est-ce que je suis bête.
Je voulais juste savoir si t'avais remarqué quelque chose, c'est tout. Non, non. C'est important, tu as raison. Je suis aussi son ami, après tout. Et après, je vais... Que tous mes membres de mon club se sentent bien. Je devrais peut-être lui parler. J'en ai sûr. J'avais plutôt l'impression qu'elle voulait être toute seule. Tu crois? Elle a peut-être du mal à en parler avec la personne que ça concerne. La personne que ça concerne. Qu'est-ce que tu veux dire? Je peux dire que ce qui la tracasse, c'est peut-être toi. Alors, moi? N'importe quoi. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je ne voulais pas en dire trop, mais Terry parle beaucoup de toi ces temps-ci, tu sais. Quoi? Elle a l'air beaucoup plus heureuse depuis que tu as rejoint le club. C'est comme si il avait quelque chose de qui rayonnait en elle. Ah bon? Quoi? Je comprends pas. C'est Sayori, quoi. Toujours pétillante, un vrai rayon de soleil. J'ai le nez qui coule, let's go. Elle a toujours été comme ça, non? Hé, tu es mignon, Raph. Moi, je suis mignon, moi? Ouais, peut-être. Bon, je m'en fous. Tu ne t'es jamais dit que si elle te elle semble toujours si gréée, ce n'est peut-être parce qu'elle... Quoi? C'est peut-être parce qu'elle est comme ça quand elle est avec toi. Et attendez, je reviens. Voilà, je vais chercher du sopalin. Je m'en fous, je vais chercher du sopalin. De retour pour faire deux choses. J'ai pris un sopalin pour mon putain d'œil. Je vous jure, il est rouge. Il n'y a pas d'eau dessus. Un sopalin sec. Mon œil, il est rouge, sa mère. Et ça, c'est pour mon nez. Je jure, mon œil. Attendez, je remets le casque. Je vous jure, mon œil, je rigole pas. J'ai un truc depuis tout à l'heure. On dirait que j'arrive pas à l'enlever. J'ai été chercher du sopa. Ah, j'aurais peut-être mieux fait de me taire. Désolé, qu'est-ce que j'en sais après tout. Mais peut-être que je me fais des idées. Oublie ce que j'ai dit, d'accord? J'essaie d'en lui parler en attendant ce que je ne pense. Ah, d'accord. Monica me lance un sourire attendu. Même si elle... Mais j'ai pas lui fait chier. Même si elle m'a dit de plus y penser. Je sais déjà que je retourne ses paroles dans tous les sens. Merde. Monica se lève et traverse la pièce jusqu'au pupitre de Sayori. Et s'annule à côté d'elle et puis lui parle doucement. Monique. Mais sa voix est trop basse pour que je puisse l'entendre d'ici. Alors, ça me rappelle une vidéo. On a le son du jeu. Si je me souviens, si on va sur YouTube, une vidéo comme ça.
Je crois que la chaîne s'appelle Kana Melon, je crois, un truc comme ça. Avec un L, un L. Ah non, c'est Vanna Melon. Et dessus, je crois, t'as une animation. Attendez, parce que ça charge la conne de sa race là. Faut la retrouver hein, aussi la vidéo. Hein. Ah là, c'est cette vidéo là que je parle. C'est une animation. Faut la trouver hein, sur la station. Une pub, putain, je suis pas payé. I'll try to talk to her. Là c'est bah c'est nous, on va dire ça comme ça. Elle dit ouais. So try not to think about it for now. All right. Là c'est nous qui dit ah d'accord. Et après du coup là on a Nick sa mère. He doesn't love you. Et apparemment, what? Bah c'est vraiment genre que dit Monica à Sayori quoi. Et Monica je crois elle dit ouais personne t'aime tout ça quoi. Pendant un gros moment il y a la fin. Bon voilà vous m'avez compris, ça me fait penser à cette vidéo pour aller la voir. Ça me fait penser à cette vidéo que j'avais vue il y a un moment déjà. Cette petite animation plutôt. Il m'a relancé un live. Il m'a relancé un live. Possible. Après c'est peut-être possible en fait. Et bon bref. Poussant un soupir, je m'assois. Je sais que Sayori m'a demandé de ne pas m'inquiéter pour elle et de m'assurer avec les autres. Mais vu qu'elle n'a pas l'air d'aller bien, c'est juste impossible. Qu'est-ce qu'elle est vraiment pour moi? Pourquoi ça me mine à ce point? Maintenant, j'ai l'impression que c'est moi qui me comporte bizarrement. Enfin bon, de toute façon, je peux rien faire d'autre que d'attendre le retour de Monica. Et, pardon, je lève les yeux et je vois Natsuki après moi. Dis donc, tu vas rester longtemps là et regarder les mouches voler? On n'a pas trop le temps, je te signale. Ah, désolé, je voulais pas que tu t'inquiètes. Je suis pas inquiète. Je me disais juste, Natsuki jette un œil vers son bras. Elle tient un manga à sa main. Ah oui, c'est vrai. J'avais un truc à faire, mais on peut s'y mettre. Je vais pas te faire attendre plus longtemps. Je te jure. Pas vraiment l'impression de te déranger pour le coup. S'il y a un truc qui te tracasse, tu te laisses tranquille si tu préfères. Je veux dire, t'as envie de parler peut-être. T'as envie d'en parler peut-être. Elle marmonne sa dernière phrase. Non, non, je me fais sûrement des soucis pour rien. Je vais penser à Sayori, c'est tout. À Sayori, tu penses à elle? Ouais, elle a pas l'air dans son assiette aujourd'hui. Mais elle refuse de l'admettre. Alors je me demandais s'il lui est arrivé quelque chose, tu vois. Oh, Natsuki pousse un soupir. Alors déjà, tu devrais vraiment mieux choisir tes mots. Et donc, tu es son meilleur copain, non? Oui, enfin, je crois. Ouais. Alors, je vois que tu devrais lui faire un peu plus confiance. Putain, le con. Si elle avait besoin d'aide, tu serais la première personne qu'elle irait voir, non? Bah, j'imagine. Ça arrive à tout le monde d'avoir des baisses de régime. On peut pas toujours être au paquet. Et puis elle a peut-être envie de s'inquiéter. Moi je suis désolé, hein, je passe. Sinon c'est trop long. Sinon j'aurais fait le truc pas passé. Oh. Ok. Votre attention tout le monde. Au bout d'un moment, Monica s'adresse à tout le groupe. C'est le moment de partager nos poèmes si vous voulez bien. C'est redevenu normal. Tout le monde prend son poème, moi compris. Je lance un regard à Monica qui me sourit en retour.
Je me demande de quoi elle a parlé avec Sayori. Ah. Pourquoi ? Je fais le jeu du hasard. Je fais cliquer sur un truc. Natsuki. C'est pas mal. Pas mal. Bah ouais. Ça vaut ton poème d'hier. Je vois où tu veux en venir, mais c'est vraiment pas ma tasse de thé. Enfin, ça fait rien. Je suis quand même contente de voir que tu fais quelques efforts. Évidemment que je fais des efforts. Au fait, pourquoi tu as investi à ce point dans mes poèmes? Bref. Nanana bla 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 bla. Ah, je serai ta plage. Et encore du blablatage, du blablatage. Parce qu'en fait, ça, c'est les parties inintéressantes du jeu. On s'en fiche des poèmes. Ça, meuf. Ton meilleur poème jusqu'ici, il est vraiment très réussi. Merci, de rien, y a pas de quoi. Je le trouve pas très bavard aujourd'hui, Sayori. Tu es sûr que ça va? Quoi? Quoi? Si, bien sûr, tout va bien. Je suis juste un peu fatigué. Vous avez vu ma gueule de con? Putain, j'ai un putain de sopalin à l'œil. C'est pas normal. Un sopalin à l'œil. Première fois que ça m'arrive. Hé, tu veux faire une sieste? Mais non, n'importe quoi. Ne t'en fais pas pour moi, d'accord? Je ne veux rien voir d'autre qu'un sourire sur ton visage. Bon, d'accord. Dis-moi, Raph. Je suis quand même un peu surpris. Je ne pensais pas vraiment que tu assisterais à t'inspirer du style de Yuri pour écrire tes poèmes. Voir celui-là de Natsuki. Mais bon, c'est ça. Je pense que c'est toi qui préfères ce poème. Pourquoi? Tu n'as pas envie de te rapprocher des autres. Attends, j'ai pas fini. Bien sûr que si. Mais c'est pas pour autant que je dois essayer à tout prix de les impressionner. C'est quand même toi que je comprends le mieux, Sayori. On lui fait sa déclaration. Je fais ma déclaration à Sayori ou quoi? Je sais que c'est toujours pas facile de me supporter. Ok. Et moi aussi, je dois te supporter parfois. Mais il y en a une sorte de lien entre nous. Ce qui m'inspire ce poème. Des fois, j'ai l'impression que tu es la seule chose intéressante dans ma vie. Dans ce cas, l'impression me vient beaucoup plus facilement quand je pense à toi, Sayori. Mais non, Raph, je ne mérite pas ça. Tu es trop gentil avec moi. Pourquoi tu fais tout ça? Sayori a soudain des trémolos dans sa voix. Ah, elle tremble de la voix. Si tu passais plus de temps avec les autres, ça serait tellement plus simple, Sayori. Je vais t'amener autour de moi pour que m'assure que personne n'a rien à remarquer, Sayori. J'ai sans doute jamais dit ça avant, mais je comprends pas ce que tu ressens là. Dis-moi ce qui te remonterait le moral. Sayori secoue la tête. Et là, renifle. Ouais, comme moi, parce que j'ai putain de nez qui coule. Et continue de secouer la tête. Elle finit par se reprendre et acquise un sourire. Ce n'est rien, Raph. C'est juste un petit nuage de pluie. Désolé que tu aies assisté à ça. Ça ne se retournera plus, promis. On garde le sourire, quoi qu'il arrive d'abord. C'est tout ce qui compte. Allez, va discuter avec les autres. Je vais rien prendre aujourd'hui. Je vais rentrer un peu plus tôt aujourd'hui. Tu diras à Monica que je me sentais pas bien, d'accord? À demain. Avant que je puisse ajouter quoi que ce soit, Sayori quitte la salle d'un pas guilleré en frondement. Bon, bah, Sayori, c'est ciao, hein. Ouais, toi, je te passe. Oh, hey, Sayori, elle me fait même pas faire montrer son poème. Je passe, hein. Parce que sinon, c'est trop long.
et on perd du temps. De toute façon, si vous voulez retrouver, bah c'est pas vraiment les mêmes textes. Mais si vous voulez retrouver tous ces trucs-là, allez sur... là, si vous êtes sur ma chaîne YouTube, allez voir les premiers lives que j'ai fait. Et voilà. Et sinon, si vous êtes sur le live là, allez voir ce que j'ai fait sur YouTube. Et vous prenez les premiers lives. C'est-à-dire, tu réfléchis au poème que tu vas lire lors du festival. Fait partie du club, c'est une chose, mais lire devant un public, il va falloir que je réfléchisse un peu. Ok, prends ton temps. Ok, merci meuf. Quoi que tu décides de faire, je suis persuadé que ça sera bien. Et ça me ferait plaisir de le voir. Enfin bref, regardons un peu ton poème du jour. Pas de soucis. Je laisse mon gars prendre le poème que je tiens dans la main, dans les mains. Pas mal! Ouh! Ça me rappelle le style de Sayori comme l'autre poème que tu as écrit. Encore? Vous deux, vous êtes de véritables rayons de soleil. Je crois que t'en fais un peu trop. Oui, peut-être. Mais tu passes beaucoup de temps avec elle. Que ce soit dans le club ou en dehors, pas vrai. Après, je ne te supporte pas d'être timide. Ouais, je ne suis pas timide, c'est juste que je te taquine. Je sais qu'il faut du temps pour apprendre à connaître tout le monde. Tiens, putain de sopalin à l'œil. Je regarde mon retour sur mon live, sur mon putain de téléphone. J'ai l'impression d'être un putain de con. J'ai un sopalin à l'œil. Let's go. C'est ça ma... C'est ça mon live d'aujourd'hui. Avoir un sopalin à l'œil. J'ai mon putain d'œil rouge. Les Yuri et Natsuki sont des filles super. Mais n'hésite pas à passer du temps avec elles. Et tu peux aussi discuter avec moi. Quand tu en as envie. Je ne suis pas du genre abordable, si. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'il me faut un certain temps d'adaptation. Enfin, je suis désolé de t'avoir mis la pression. Ce n'était pas du tout le but. Ça va, ne t'en fais pas. J'ai compris le message. Parfait. Enfin bref. Maintenant, je vais te montrer mon poème, d'accord? D'accord. Attendez. La femme qui sait tout. Un vieux récit raconte l'histoire d'une femme qui erre sur terre, la femme qui sait tout, une belle femme qui a trouvé toutes les réponses. Un sens à tout, un but à tout, tout ce qu'on n'a jamais pu chercher, et me voici, une plume. Perdue, une victime, rien. Heure après jour, jour après jour, je cherche sans grand espoir, sachant que les légumes n'existent pas. Mais quand tout le reste a échoué, quand tout le monde m'a tourné le dos, il ne reste plus que la légende, la dernière étoile pâle dans le ciel vespéral. Jusqu'à ce jour où le vent a cessé de souffler, je tombe, et je tombe, 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 sans m'arrêter. Légère comme une plume sans encre, sans expression. Mais une main me saisit entre son pouce et son index, une main d'une belle femme. Je croise son regard à la profonde infinie, la femme qui sait tout. La femme qui sait tout sait ce que je pense. Avant que je puisse parler, elle me répond d'une voix convaincue. J'ai trouvé toutes les réponses et elle ne rime à rien. Il n'y a aucun sens, il n'y a aucun but et nous cherchons uniquement l'impossible. Tu ne suis pas légende. Tu la légende n'existe. Ta légende n'existe pas. D'un souffle, elle me renvoie à la dérive, pas les airs, et je me suis laissé emporter pour une bourrasque. Pour mon petit public. Quoi? Bah oui, je suis là. T'es de retour, toi? Bah oui, je suis de retour après avoir fait la pub. Ok. Tout le monde s'en foutait. Toi, t'es vraiment le meilleur. T'as l'air, j'en parlais avec avec Fixfu. T'as arrivé, t'as dit allez voir ma chaîne. T'as pas donné le nom de ta chaîne. Ça, c'est très bête. De ta part. Bah oui, je peux pas donner parce que il est.
le nom de ma chaîne, il est sur mon pseudo. Mais est-ce que tu crois vraiment que je suis parti sur Discord, sur le live? Je suis parti sur Discord, téléphone. Mon live n'est pas sur téléphone. Et ouais, je t'ai douillé. Je m'en fous. De toute façon, j'ai dit, de toute façon, à chaque fois que quelqu'un vient, ou même que je dis son pseudo à l'oral, je vais mettre sa chaîne dans ma description. Je fais pas mon bâtard non plus. Oh. Je fais pas mon bâtard. Oh. Oh bah, c'est gentil, hein. Alors. On a pas... C'est quoi ça? Il me reste 3% du chargement de mon téléphone, donc. Bon. Toi, pas chaud, toi? Non. Moi, j'ai très chaud. C'est normal, c'est pas comme si dans le sud il faisait 40 degrés. Non, moi il fait bon. Attends, t'habites dans le nord? Non, j'ai quand même. Oui. Oh, révélation. Bah ouais, je suis un nordiste. Nordiste? Bah ouais. Est-ce un mot? Bah oui. Toi, t'es un sudiste. Oh, sale sudiste, va. Non, je déconne. Tu te traites toi-même. C'est pas normal. Je sais, j'ai l'air d'un con. Pendant ce temps, Raph est en train de jouer à un jeu auquel il y a de jolies waifus, auquel il en a le gros barreau. Pourquoi ça malade, lui? Mais quoi, c'est vrai? Tu t'es renommé sur Discord, tu t'es renommé Raphaël Monica. C'est sûr, t'as un crush sur elle, alors. Et alors, qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'est-ce que ça peut me foutre? Bah oui, parce que c'est un biche chelou. Le pire, c'est que il y a l'un de tes abonnés, c'est sûr, ils vont dire, oh mon dieu, il est totalement chelou. Je m'en branle. Parce que la plupart de mes abonnés sur ma chaîne principale, c'est sûrement des Anglais. Ah. Bah ouais. Tu t'attaques à trop gros. En fait, dernier truc, en fait, je vais devoir partir. Et au fait, dernier truc avant que je pars, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Elvis Production. Je fais des animations trop cool. Je le redis une deuxième fois parce que j'ai oublié de mettre mon pseudo. Enfin voilà. Au revoir. Et voilà, il repart. Vite. Oh là là, et j'ai encore mal à mon putain d'œil. Ah merde, je sais plus c'est lequel des deux. J'ai mon nez qui coule, j'ai tout putain. J'ai le nez qui coule, j'ai mal à mon œil il est rouge comme je sais pas quoi. Et je vous jure, c'est une dinguerie. Et l'autre là, il est venu, il dit des trucs, il est chaud. Il fait sa pub et il se barre. C'est pas parce que dans mon pseudo Discord, bah j'ai la meuf là, qui est devant vous, que voilà. C'est juste que j'apprécie le perso. Et en plus c'est le perso principal, on va dire. Même si c'est nous, le joueur, le perso principal, normalement c'est plus elle la personne principale. On va dire ça comme ça. Voilà, vous êtes content, vous êtes pas chier. Ah putain. J'ai le nez qui coule, ça me saoule, j'ai mon œil, il est en PLS, il est rouge. Il est plus rouge, on dirait, il est rouge comme mon maillot. C'est pas normal, putain. Je vous jure, j'ai un putain de mal à mon œil. C'est un calvaire. J'ai l'impression que l'apprentissage à la quête de réponse sont des choses qui donnent un sens à notre existence. Je n'essaye pas de jouer les philosophes, hein,
Mais je pense au moment d'écrire mon poème, alors j'ai décidé d'en faire mon sujet. Je vois. Je vais jamais vraiment réfléchi. Dans un sens, c'est presque paradoxal. Parce que si on avait toutes les réponses, le monde commencerait à perdre son sens, non? Je sais, j'ai remarqué une chose. Tous les membres du club préfèrent écrire des choses qui sont plus tristes que joyeuses. Ah ah ah, et ça t'étonne. Je veux dire, si tout allait bien, on n'aurait pas vraiment le sujet à aborder ici. Les humains ne sont pas des créatures bidimensionnelles. Je pense que tu le savais mieux que quiconque. Unidimensionnel, tu veux dire? Oui, c'est ça. Elle n'est pas convaincue. Bref, voici le conseil d'écriture du jour de Monica. Est-ce que tu fais partie des gens trop timides pour les partager leurs textes et tu veux pas terrible? Ça peut être hyper décourageant d'être confronté à une réaction peu enthousiaste. Quand on s'investit autant dans un poème, et je galère à lire, ça me saoule. Mais si tu rencontres d'autres personnes qui aiment écrire, le partager devient plus simple, ouais. Au lieu de te dire que ton texte est bien correct ou mauvais, ces personnes s'intéressent davantage aux détails et aux choses à améliorer. C'est beaucoup plus encourageant comme ça, et ça te donnera envie de progresser. C'est presque comme ça que si tu avais ton propre club de littérature, tu ne trouverais pas. C'était mon conseil du jour, merci d'avoir écouté, de rien meuf. Votre attention, vous trois, je crois que vous avez fini de lire les poèmes des autres. Et si on commençait à réfléchir à... Minute, c'est moi ou tu viens de dire un truc chelou? Quoi? C'est vrai qu'il y a quelque chose de différent, je confirme. Tu n'as pas dit que tu dis d'habitude quand tu t'adresses à tout le monde. Comment ça? Qu'est-ce que je dis d'habitude? Je te jure. C'est moi où il y a une ambiance bizarre aujourd'hui. Même Yuri l'a remarqué. Généralement, quand l'atmosphère est pesante, c'est que quelque chose de terrible est sur le point d'arriver. Dans tes livres, peut-être. La seule différence par rapport à d'habitude, c'est que Sayori n'est pas là. Ah, c'est vrai. Ah. C'est clair qu'elle égit toujours un peu l'atmosphère. Quand elle n'est pas là, c'est comme s'il manquait quelque chose. Où elle est passée d'ailleurs? Je croyais qu'elle était juste partie pisser. Natsuki, tu pourrais dire ça autrement? Oh, elle est partie plus tôt parce qu'elle se sentait pas très bien. Ah, j'espère qu'elle va bien. Ah bon, pour une fois, tu la raccompagnes pas. Il faut que ça soit le jour où elle est en vrac. C'est comme ça que tu t'occupes de ta chérie. Et premièrement, arrête de faire des films sur quel lien entre Sayori et moi. Deuxièmement, elle m'a évité toute la journée ou presque, alors j'ai pas voulu m'imposer. Oh, j'irai. Même Yuri se fait des idées. Du calme. C'est moi, wesh. Je lui ai parlé toute la journée, tout va bien. Qu'est-ce qu'elle a dit? Bon. C'est pas tout ça, mais il faut qu'on finalise l'organisation du festival. Oh, ça va être long, ça! Oh, je vais tout passer, tel un bon gros chien. Ah, je vais tout passer. En cliquant. On va décider ce que chacun doit faire ce week-end. Moi, je sais déjà ce que je vais faire. Oui, Natsuki va préparer des cupcakes. Mais il va en falloir beaucoup et de différents parfums. Tu crois que tu pourras gérer toute seule, Natsuki? Je relève le défi. Quant à moi, je vais imprimer et relier tous les prospectus. Sayori m'aidera à les finaliser. Toi, Yuri, tu pourrais... écoutez, quelqu'un peut m'aider à trouver quelque chose à faire pour Yuri? Je ne sers à rien. Non, ce n'est pas du tout ça. Tu es la plus talentueuse du groupe, tu le sais. Allons, bon. Pourquoi tu fais la tête, Natsuki? C'est vrai que j'ai toujours pas sous-estimé Sayori, mais je vois bien que tu as du mal à tenir les rênes quand elle n'est pas là. Ah, c'est possible. Mais comment est-ce que tu peux espérer progresser si tu ne suis pas capable de me prendre le club en main toute seule? Bon, Yuri. Tu as une super belle écriture. Tu me disais que tu pourrais faire une banderole et des décorations pour créer une atmosphère. Une atmosphère?
Ça me plaît. L'impression de Yuri change soudain et tout fixé son pupitre en hochant la tête, manifestement très concentré. Je vois que ça t'inspire. Alors parfait, ça va bien nous aider. Et donc il ne reste plus que toi, Raph. L'inutile de service. Ne dis pas ça. Je suis un inutile de service apparemment pour moi-même. En fait, comme Natsuki Yori, on détache plutôt contraignante. Tu ferais aussi bien de me donner un coup de main à l'une d'elles. Ou sinon tu peux m'aider moi aussi. Ça me rendrait vraiment service. Oh, c'est... Attends, Monica me demande de passer le week-end avec les filles du club. Comment elles vont le prendre ça? Ah, j'avoue, il y a un peu d'aide ne serait pas de refus. Pareil, même si tu sais pas cuisiner, je peux toujours te refiler les sales boulots. Ah, le sale boulot. De toute façon, Monica ne me laisse pas le choix. Et puis tu vas pas te tourner les pouces pendant qu'on bosse. Natsuki continue de glumer des excuses de ce genre. Si je me souviens bien, Natsuki, tu as dit que tu préférais t'occuper de la cuisine toute seule. Ça m'étonnerait que Raph apprécie que tu le traites comme un parasite. C'est pour ça que ça lui conviendrait pour être mieux de m'aider avec les décorations. Minute, j'ai jamais dit ça. Et puis bricoler quelques décorations, je vais pas ce que ça de compliqué. J'ai plutôt l'impression que tu te cherches des excuses pour que Raph... Qu'est-ce que tu racontes? C'est un travail très mal... Ouais, bon, c'est un travail quoi? Méticuleux. Très méticuleux. Pas la pâtisserie, peut-être. Qu'est-ce qui te fait croire? Et là. Allez, on se calme. Je crois que c'est surtout à Raph de décider ce qu'il va faire pour nous aider. Du reste, il n'y a pas encore de l'occasion de passer du temps avec moi. Je suis sûr que ça l'intéresserait de... Mais tu viens tout juste de dire... C'est vrai, ça. Pardon, je disais ça comme ça. On se met d'accord, oui ou non. Enfin, qu'est-ce que t'en dis, Raph? C'est toi qui vois. Ah, pas faux. D'accord, dans ce cas, il me fixe tous les trois du regard. Évidemment, je vais... Évidemment, je choisis d'aider. Oh, Sayori. Je crois dans le premier, il n'y avait pas Sayori. Le chat, vous êtes deux. Bon, il y a moi dedans, mais t'inquiète. Aidez-moi, putain. Je sais pas. Aidez-moi à répondre quelque chose. N'importe quoi. Une des quatre. Mais je sais que Yuri et Natsuki, tu seras obligé de les choisir, mais c'est les plus chiantes. Monica, si tu l'as choisi, les deux autres bouffonnes, ils vont dire ouais, c'est toi qui as le moins de tâches à faire. Et ça, Yuri, je sais pas ce que ça fait. J'ai déjà fait les trois là. Est-ce qu'on fait Sayori? Mais Sayori aide Monica en vrai. J'ai le nez qui coule. J'ai envie de tenter. Parce que j'ai déjà fait les trois en fait. Si personne ne me répond, je choisis Sayori. Car attends. Je crois qu'on va faire Monica. Bah, de toute façon, on aura encore les trois propositions. Je vais aider la... Génial, merci. Et une minute. Oui. Monica, t'es la seule à la moins... T'as le moins besoin d'aide. Hein, mais je suis d'accord avec Natsuki. Une personne suffit largement pour ce que tu as à faire. En plus, tu as déjà Sayori pour t'aider. Mais c'est Raph qui... Ah. Et alors, c'est un peu... Bon voilà, il se dispute pour moi en fait, on va dire ça comme ça. Là j'ai dit ça Yori, pour voir ce que ça va faire. On est voisins, mais Monica a dit que... Ouais, Monica a dit que Sayori l'aiderait elle, je te jure. Tu nous détestes à ce point? Non, désolé, je ne voulais pas compliquer les choses. Pense au club, d'accord?
Putain, on est obligé, ça va casser les couilles. Putain, non. Putain, on va tous passer. Oh. Je vous dis, je passe tout. Je passe tout. C'est long. C'est la partie la plus chiante. Je vous le dis. C'est la partie la plus chiante. Vas-y, je vais aider Yuri. Voilà, on passe tout. Non, je vous le dis. Mais de toute façon, ça, je l'ai déjà fait en live. J'ai déjà fait. On va aider Yuri. On va pas s'emmerder. Voilà. Là, je passe tout. Hein. J'ai vraiment la flemme. Faut finir le jeu vite. Entre guillemets, quoi. T'es mal à vitesse. Ah, on est déjà dedans. C'est déjà dimanche. Je crois que je vais aller voir Sayori. Sayori, salut. Tout ça aussi, on a vu sur les lives que j'ai fait avant. Que j'ai fait avant, je crois que c'est dans le live Sayonara. Allez le voir. C'est pour ça, je passe tout parce que je vous l'ai dit, c'est vraiment très long. Et j'ai la flemme à un point, mais phénoménal. Bon, on va passer vite comme ça parce que la touche passée, elle me dit va te faire foutre. Du coup, là, je passe tout. C'est vraiment très long. Je sais pas si on entend le clavier. Je crois que je lui fais un câlin, là. Ça va, vous? Moi, ça va, hein. Il y a un connard qui me voit tout passer. Bah franchement, je vous le dis, j'ai la flemme. Même après, pour Yuri. Ah, je vous le dis, je passe tout. Salut, meuf. Passe tout. Ouais, ça va, moi ça va, je suis soulagé, tout ça. Ouais, nanani, nanana. Ça, c'est vraiment la partie du jeu chiante. Quand t'as pas fait le jeu pour la première fois, ok, tu vas tout lire. Mais quand ça fait trois fois que je fais le jeu. Et j'ai fait le classique deux fois. Le celui qui est pas payant. Et là, je fais le plus. Le plus, c'est à peu près la même histoire. Du coup, c'est vraiment très long. Vous verrez les lives de toute façon. Et je crois en live je l'ai pas fait Yuri. Ah, je vous explique vite fait. Bah voilà, on dit Yuri, elle prend des trucs et tout. Mais à un moment je crois ça va partir en couille. Je crois on va lui frotter le visage avec une serviette chaude. Ah, je vous mens pas. Hein. Mais on fait des décorations et tout. Mais je crois elle a un couteau aussi. C'est long. Voilà, allez, on passe tout. Tout. Vous imaginez là le temps qu'on gagne. Ah, franchement, ça va vite, hein. Voilà, qu'est-ce que je vous avais dit, bordel. C'est chaud, hein.
Apparemment, je porte un pull gris. Je porte un pull gris. J'aurais préféré rouge parce que rouge c'est ma couleur. Le live est à son comble. Hein. Allez, allez. Qu'est-ce que tu fous? Oh, Sayori. Eh, c'est reparti. Ah ouais, on va faire un choix. Et j'ai déjà fait les deux. Théma la vitesse. Pourquoi tu pleures? Voilà. Le choix difficile. Sayori, je t'aime. Ou tu seras toujours ma meilleure amie. J'ai passé beaucoup trop de textes pour en arriver là. Quand tu lui dis je t'aime, bah toi ça c'est rien, elle va quand même se. Si tu lui dis tu seras toujours ma meilleure amie, ça pareil. Après c'est notre meilleure amie d'enfance, mais si elle parle toujours de nous ou quoi, pour moi j'aurais dit ça. Mais je crois à un moment il y avait un gars, il était venu dans mon chat, il y a un moment, hein, c'est un vieux live, et il m'a dit friendzone. Et ça change pas grand chose quoi. Et je crois que quand on lui dit je t'aime, on lui fait un câlin. De toute façon dans tous les cas elle va clamser. Dans tous les cas, elle clams. Bon, allez. Hein. Je t'aime. Hein? C'est la vérité. Ouais, voilà, je t'apprécie. Depuis le club, tout ça, je t'apprécie bien. Hop, câlin ma gueule. Soudain, ça me sert très fort. Raph, c'est vrai. Ouais. Moi, ouais, je suis pas sûr en fait. C'est l'enveloppe de mes bras et la serre contre moi. On ne sera plus jamais, je t'aimerai. Elle m'a dit, je t'aime, tu vois. Bon. Ah voilà. Je passe tout, hein, parce que vraiment c'est très long. Ah, le jour du festival. C'est le jour du festival. Wouh. Wouh. Mais elle ne répond pas. Ah. Là aussi, je passe tout. Hein. Bon, bref. Raph, tu es le premier. Bah ouais, c'est moi, wesh. Merci d'être venu en avance. C'est marrant, je pensais que Yuri serait déjà là. Monica place une petite brochure sur chaque pupitre. Ouais, bon, bref. C'est... Là, on parle à Monica, quoi. On repasse tout, hein. Je vais le répéter 500 000 fois, mais allez voir sur YouTube, sur ma chaîne. Sors de ma tête. Mais un poème n'est jamais vraiment fini. Il cesse simplement de bouger. J'ai des putains de frissons. Ah, attends, sors de ma tête. Que je fasse ce qu'il y a de mieux pour toi. Sors de ma tête avant que j'écoute tout ce qu'elle m'a dit. Sors de ma tête avant que je te montre à quel point je t'aime. Sors de ma tête avant que je finisse d'écrire ce poème. Oh. Qu'est-ce que...
Go, on court vers Sayori. Attention, âme sensible, à vous abstenir. On arrive devant chez elle. Sayori, elle est vraiment dans un sommeil. Enfin, elle me laisse pas vraiment le choix. J'ouvre doucement la porte. Sayo. Qu'est-ce que c'est quoi ce délire? C'est un cauchemar. Oui, c'est obligé. C'est pas réel. Pas moyen que ce soit réel. Sayori n'aurait jamais fait ça. Tout allait très bien jusqu'à ces derniers jours. Pourquoi? C'est pour ça que j'arrive pas à croire ce que je vois. Je me retiens de vomir. Dire qu'hier, je dis à Sentiment que je serai là pour elle. Je lui ai dit que c'était mieux pour elle que je ne serais rien. Alors pourquoi? Ouais, mais imagine, elle a fait ça hier. Tu sais pas en fait pourquoi elle a fait ça. Pourquoi je l'ai pas, j'ai pas pu l'aider. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai avoué mes sentiments. On est au moins à 4 heures. Enfin, 2 heures au moins. Nick. Bientôt à 2 heures de live. C'est là que j'ai fait une erreur. Sayori avait absolument pas besoin de ça. Elle m'a expliqué que je faisais de la peine quand les autres se souciaient d'elle. Bon bref, là on dit tout est de ma faute, tout ça. Pourquoi j'étais pas là pour elle, j'aurais pu éviter ça. Va te faire foutre, club de littérature, je vais pas au festival, je viens de perdre ma meilleure amie, celle avec qui j'ai grandi, tout ça. Là, recharger une partie, faire des choses différemment. Ouais. En soi, je peux faire, mais j'en ai pour 2 heures, quoi. Bon, on a perdu Sayori. Hein. Tout est redevenu joyeux. Ça, c'est la dernière sauvegarde. Quand il y a encore Sayori. Elle est là. Bizarre. Bizarre. Compréhension, confiance, partie. L'histoire, un ex parle d'amitié. C'est pas lié à des événements au scénario principal. Pour débloquer des signes, essayer de décrire les poèmes pour différencier les personnages. Je le fais ou pas? Ok, ça c'est tout nouveau, hein. Ça je sais pas. Oh, il y a des nouveaux décors. Oh, la salle de classe, enfin plus sombre. Votre attention tout le monde, on va commencer la séance. Asseyez-vous, asseyez-nous et faisons l'appel, d'accord? Bah. Le club de débat me manque. Qui aurait cru que ça serait difficile de créer un nouveau club? Chaque jour que je passe sur le moral, je commence vivement à perdre confiance. Monica est la seule membre du club de littérature. Au cours des derniers jours, tous ces efforts pour recruter de nouveaux membres étaient vains. Est-ce que je m'y prends mal?
Elle s'intitule Tu aimes la littérature. Peut-être que personne n'aime assez. Ah, ok, j'ai compris, c'est quoi? C'est la rencontre entre les quatre. Peut-être que la personne... là, c'est Monica quand elle a créé son club au tout début. Je ne peux pas compter uniquement sur les goûts. Une vision. Mais quel genre de vision au juste? Perdue dans ses pensées, Monica repose sa tête sur un pupitre, sur son pupitre. Mais avant qu'elle se rende compte, le manque de sommeil ces derniers temps commence à se faire ressentir. Le calme régnait et le bruit de la climatisation est si apaisant. Moi, je suis pas encore là. Salut. On est Monica en fait. Non, Monica. Ah non. Oh, je suis désolé, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est un club de sieste. Non, c'est le... Monica s'interrompt de gêner d'avouer, il s'agit d'un club de littérature. C'est le club de littérature. Super, j'ai cru que je m'étais pas trompé. Je suis sincèrement désolé, ce n'est pas du tout professionnel de ma part. Tu n'as pas besoin de t'excuser, ça n'arrive pas tout le temps. Oh, j'ai raté la séance. Où sont passés les autres membres? Comment dire, tout le monde est là. Ah bon, il n'y a que toi. Mais on sera plus nombreux, je fais tout ce que je peux pour recruter du monde. Attends un peu, s'il n'y a que toi, ça veut dire que je vais être la vice-présidente. Attends, la vice-présidente, quelles sont tes compétences? Déjà, je suis meilleur que toi pour faire la sieste. Alors peut-être que je devrais prendre ta place de présidente. Et maintenant, tu te moques de moi? T'es moi? Oh, pardon. Comment tu t'appelles? Sayori. Ok, Sayori. Tu m'investis au fond dans ce club. C'est long. Je peux quitter, s'il vous plaît? Oh ouais! Ah, j'ai la flemme! Ah, stylé le... Oh putain, you're mine. Oh, on a les poèmes. Oh, on a l'image là. Ouais. On a la pièce. Ouais, là on a les salles. On dirait un peu manga comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Acquise du concept initial de Sayori. Cheveux pour Sayori. Ok. C'est bien stylé en tout cas. Putain, j'ai aucun secret, j'ai beaucoup de poèmes. Musique. Oh. On va se quitter hein. On est à peu près à 2 heures de live. On a perdu Sayori. Bon, je regarde en fait tous les nouveaux trucs. Ça, je les ferai une prochaine fois. Les histoires annexes. Genre confiance, compréhension. Confiance partie 2, compréhension partie 2. On fera une autre fois ça. Je ferai ça en live. Dans un autre live fichier. Attendez. Ah ouais, regardez. Quoi?
Impossible d'ouvrir Monica, type de fichier inconnu. Je sauvegarde tout ça. Interne. Je suis dans les putains de fichiers du jeu. Je suis dans les fichiers du jeu, dans le jeu. Je crois 4. Mais regardez, pour vraiment croire qu'il n'y a plus de... Regardez. Oh, j'ai failli faire une connerie. Je vous jure, j'ai failli faire une connerie. C'est quoi ? Promo ? Bon bref, on va se quitter. Bon, on va rester là-dessus, hein. Voilà, tout ça. Bon, on va mettre ça au moins. Pour que j'éteigne le live, ce sera déjà ça. On se capte pour un prochain live et une prochaine vidéo. C'était Raphaël Thierry du Batord. À bientôt. Au revoir.